Alors Pastel, c'est une petite équipe dans une maison à Bruxelles qui appartient à une grande maison parisienne, l'École des loisirs. Lorsque les auteurs viennent chez Pastel, là on prend le temps, on s'installe autour de la table. Il est très important à mon sens de créer ces moments d'intimité afin que les auteurs se sentent en confiance, qu'on rentre dans le projet, qu'on soit dans une espèce de bulle intime qui fait qu'on peut se poser des questions, bonnes ou mauvaises, sans qu'il y ait de tabou. Alors ça demande du temps, il faut un peu se connaître, mais je pense que c'est comme ça et c'est de cette manière-là qu'on cherche à faire ensemble les meilleurs livres. C'est en tout cas notre objectif commun. Ça fait 23 ans que je travaille pour Pastel. C'est vraiment ma maison d'édition, c'est un endroit qui est extrêmement important pour moi. Ce qui est super, c'est que c'est une petite famille, c'est une petite structure, donc tout le monde se connaît et voilà, j'ai drôlement besoin de travailler avec la confiance, donc avoir cet espace. Je me considère comme une accompagnatrice des créateurs. Je suis la première lectrice, je rentre dans leur univers. Je dois être à côté pour amener le livre au meilleur de ce qui peut être et avec bienveillance, sans être en opposition avec leur création. Mon travail chez Pastel a deux facettes. La première, c'est tout un travail de suivi du début à la fin pour que le livre soit de la qualité la plus belle possible et corresponde le plus possible à l'envie de l'auteur. Et l'autre facette de mon travail, mais c'est assez complémentaire, c'est que je vends nos livres aux éditeurs à l'étranger. J'ai toujours connu Pastel en fait, j'ai presque l'âge de Pastel. Moi je travaille au niveau de la promotion pour Pastel d'un côté et aussi pour l'École des loisirs en Belgique. C'est une vie au quotidien et une organisation au quotidien assez particulière vu qu'on est trois avec Philoté et puis un graphiste et un photograveur à l'extérieur. Et qu'on fait en même temps aussi partie ici dans toute la structure de diffusion de l'École des loisirs en Belgique. Je m'occupe de la mise en page des livres depuis les débuts de Pastel, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est d'être au service des images, des livres, des auteurs. Et je trouve important qu'on sente le moins possible mon intervention. Ce qui est le plus chouette, c'est de se dire qu'après, je veux dire dans 20 ans, dans 50 ans, il y a des enfants quelque part, ou des adultes même, à qui ça peut faire du bien. Je souhaite à Pastel une longue vie, encore 30 ans, ou voilà, un joyeux anniversaire.